Oh, tu vas la fermer, merde! Putain! Oh, ta gueule! Qu'est-ce que t'as à brailler, toi? Bah ouais, qu'est-ce que t'as à brailler, là? Comment ça, qu'est-ce que j'ai à brailler? Vous venez de m'enfermer dans votre coffre! Et alors, quoi? Bah ouais, alors, quoi? Bah, et alors, j'ai le droit de gueuler, ça fait chier! Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que je fous, là, moi? On va pas te dire qui on est, ni pourquoi on t'a enlevé. Parce que là, je te signale qu'on t'a enlevé. Bon, alors, tu fermes ta gueule, maintenant, hein? Ouais. Et t'attends qu'on arrive. À la limite, tu peux pleurer. Mais ça m'arrange pas du tout, moi, j'ai un rendez-vous hyper important. Vous m'emmenez loin? Bah, on t'emmène chez nous, pauvre cruche! Elle est con, elle quoi? Pas à la maison. Il y a un endroit isolé. Mais si, justement, je me disais que c'était mieux à la maison. Mais non, c'est trop dangereux. Excusez-moi, je te dis. Excusez-moi, excusez-moi. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Quoi? Je trouve que le monsieur a raison. Un endroit isolé, c'est... Non, c'est... On va à la maison. Bon, okay. Tu rigoles comme ça? Mais vous allez pas me frapper avec ce gros machin là? Mais pourquoi tu te fous de ma gueule? Eh, moi je travaille, hein, ma femme aussi. Alors là, tu vas nous laisser faire notre boulot, t'es gentil, merci. Jack! Eh, quoi, arrête! Qu'est-ce que tu fous? Mais tu vas pas la tuer avec ça, tu vas en foutre partout! Mais si, je vais la tuer avec ça, putain, je m'appelle Jack Lamasse! Jack Lamasse, il tue avec une masse! Mais ça, c'est quand on a un déplacement! Là, on est à la maison, donc on se la fait au couteau et puis c'est tout! Mais c'est bien ce que je t'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait l'emmener dans un endroit isolé. Mais toi, t'écoutes jamais rien, de toute façon, t'en fais qu'à ta tête. Ah, c'est sûr. Ah, bah ça, c'est sûr que si on en faisait qu'à la tienne, on n'irait pas très très loin, hein. Mais tu vaux plus rien, Jack. Quoi? Mais il est où le Jack que j'aimais? Le Jack qui défonçait des crânes pour le petit-déj? Il est où, hein? Bah, tu sais quoi? Bah, tu sais quoi? Vas-y, bah, t'as qu'à la défoncer tout seul avec ta grosse masse de con. Et puis moi, bah, je vois, j'en ai rien à cirer, tiens. Ouais, c'est ça, tire-toi. Ouais, merde! Sûr que tu es une victime au couteau, c'est du grand Jack Lamasse. J'ai plus envie. Oh, ça va, chochotte, reprenez-vous. Non, mais ça va plus. Je vois bien que c'est plus comme avant. Quand je frappe, c'est plus le même plaisir. C'est normal d'avoir des doutes. Et même avec ma femme, ça va plus. Je suis plus heureux avec elle. Moi, avant, je me voyais faire ma vie avec elle. Je me voyais violer des enfants avec elle. Aujourd'hui, c'est... Et puis la flamme. Non, c'est ça. Eh ben, quitte-la. Ah non, c'est impossible. J'aurais jamais le courage, ah non. Mais putain, Jack, non, non. T'es un homme ou t'es pas un homme? Mais je suis un homme. Eh ben, assume-toi alors. Change de vie. Arrête le crime, Jack. Moi, c'est pour elle que je fais ça. Je suis pas un meurtrier, moi, au début. Je m'appelle même pas Jack. Ah bon? Mais non, je m'appelle Pierre. Pierre Malo. Ah ben, c'est sûr que ça a moins de gueule dit comme ça, hein. Je suis vigneron à la base, moi. Eh ben, raison de plus. Allez, monte et quitte-la. Mais je peux pas, comment? Qu'est-ce que je lui dis? J'ai pas l'habitude, moi, j'ai jamais fait ça. Tu lui dis calmement que vous avez passé de super moments ensemble, mais que là, t'as juste envie de rester amis. Allez, monte. Allez, Jack. Ouais. Bon. Chérie? Martha? Si c'est pour t'excuser, mon petit Jackie, t'es tout pardonné. Je voulais te dire que... On a vécu des beaux moments ensemble. Mais des bons amis, ça peut pas se quitter. J'ai pas réussi, je me suis embrouillé. J'ai dit n'importe quoi. Mais c'est pas vrai, t'es vraiment naze. Ah oui, je suis naze pour ce genre de choses, je te l'ai dit. Le seul truc que je sais faire de bien, moi, c'est de tuer. Ok, alors voilà ce que je te propose. Apprends-moi à être une serial killeuse, et
Et en échange, t'apprendrai tout ce qu'il faut savoir sur l'amour et sur les femmes. C'est quoi ton nom, petite ? Adèle. Ben maintenant, ce sera Jodie. Jodie Lapierre. Et ta formation commence maintenant.